Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Je suis très heureux et très content de pouvoir vous retrouver. Je tenais à remercier particulièrement toutes les personnes qui ont émis les commentaires par rapport au message précédent que nous avons pu donner. Et cela nous encourage à travailler davantage pour pouvoir partager encore avec vous de certains points qui sont essentiels par rapport à cette voie et cet évangile qui nous permet de réaliser certaines choses et d'avancer avec le Seigneur. Amen. Alors, je transmets mes salutations de par le monde entier, dans les métropoles, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Asie et dans tous les îles. Je tiens à transmettre mes salutations au continent africain, tous les continents américains et asiatiques, pour dire que nous sommes toujours ensemble dans le Seigneur sur TBTV+. Soyez bénis. Alors, comme à notre coutume, avant de commencer, nous allons prier. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce temps est pour toi. Tu as dit dans ta parole, Éternel Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce jour et à cet instant, Père, nous venons entièrement nous remettre entre tes saintes mains. Que tu puisses être, Père éternel, au contrôle de toutes choses. Guide-nous par ton Saint-Esprit et que seule ta vérité, Seigneur, puisse être produite en ce lieu, en ce moment. Dirige-nous, Père, parce que c'est en toi que nous mettons notre foi. Que toute puissance soit soumise dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager, nous allons parler sur toujours sur certaines révélations. Et ici, nous allons principalement parler de certains symboles que l'on retrouve sur les terres d'Israël actuelles. Et nous allons principalement parler de la carte du RDC Congo en plein milieu de la synagogue qui se trouve à Capharnaüm, le lieu où Jésus-Christ a prêché la parole de Dieu. Après quoi, nous allons retourner pour comprendre quelle importance a cette ville et pourquoi elle est au centre. Suivons les images. Capharnaüm, the town of Jesus. Événement mystérieux en Israël, en Galilée. La ville de Jésus, village de Naôm, village de Consolation, ville du rivage du nord-ouest du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Nephtali, qui fut le quartier général de Jésus, aussi connu comme la ville de Pierre et d'André son frère, elle était un poste militaire romain, aussi un grand centre commercial. La carte de la RD Congo apparaît. Au milieu de l'ancienne synagogue du temps de Jésus-Christ et le roi Hérode, il y a plus de 2000 ans. La mer de Galilée, lac de Tibériade, en Galilée. Lisons. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Zacharie chapitre 14, verset 17. Tout près de ce rivage, ce lac de Tibériade, se trouve un village de pêcheurs. Et juste à côté, nous avons cette synagogue qui est le lieu qui a vu plusieurs pèlerins pénétrer à l'intérieur pour chercher la face de l'Éternel Dieu des armées célestes. Ce lieu fut construit par un centurion romain à la demande des enfants d'Israël d'autrefois. Il fut un temps où Jésus-Christ de Nazareth déroula son rouleau dans cette synagogue où vivaient ses pécheurs. Sous ce soleil éclatant, nous avons la représentation de leur lieu d'habitation, jonché d'une église bâtie au-dessus. Pierre, disciple le plus connu de Jésus-Christ, faisait partie de ceux qui vivaient dans ces territoires. Et ici, nous avons l'entrée par laquelle passaient plusieurs de ces pèlerins qui venaient pour adorer l'Éternel Dieu des armées célestes. Mais la chose la plus importante et la chose qui est la plus frappante dans ce lieu est que là où venaient ces personnes, il y a la carte de la RDC,
la République démocratique du Congo qui est dessinée en plein centre. Est-ce un hasard ou un mystère ou une vérité qui est cachée derrière? Dans ce lieu même où le Christ a prêché la bonne parole, où certaines personnes furent guéries par Jésus-Christ lui-même, où certains miracles se sont accomplis, nous voyons la carte de ce pays. Alors, est-ce anodin si ces choses-là arrivent? Ou c'est parce que ce pays est dans une destinée véritable liée au peuple d'Israël? Car aujourd'hui, beaucoup le reconnaissent, les Israélites, descendance de Jacob, une partie de la population qui se trouve dans ce pays est aussi d'ascendance hébraïque. C'est pourquoi l'un des hommes, fils du pays, qui vit dans ce territoire, le représente. Écoutons-le. Cela s'est localisé au juste, au centre même. Et Jésus est au centre de cette synagogue qui venait de temps en temps. Et la RDC est au centre aussi. La RDC est au centre de l'Afrique et la RDC est au centre de la carte du globe mondial. Donc, ce qui fait que c'est un mystère en cela où je me tiens bien aimé. Les chandeliers d'or qui étaient dans les temples de Salomon ou encore les temples d'Hérode n'avaient pas été mélangés. C'était d'or pur. Mais voilà qu'ils ont tout fait, mais ça coulait, ça tombait. Cela veut dire que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais voilà que le temps est arrivé. Alors, lorsque nous étions dans les musées des temples à Jérusalem, voilà ce qu'une dame prophétesse juive nous a dit. On a cherché partout, on a vu que l'or pur, d'après nos recherches, qui sera qui est disponible pour construire le troisième temple, cet or proviendra de la RDC Congo. Le bassin du Congo, un pays qui attire beaucoup de convoitises à cause de ses richesses, et le trouble ne cesse d'augmenter dans ces lieux. Ésaïe chapitre 18 au verset 1, le pays où retentit le cliquetis des armes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. L'un des grands révolutionnaires, Che, a même défini que le Congo était l'épicentre du développement de l'Afrique. Dans ses discours, après plusieurs conflits avec les Américains. Il était sûr que le Congo pouvait devenir la base d'où partiraient les colonnes qui allaient rendre son indépendance à l'Afrique, au-delà des frontières. Selon sa conception de la lutte révolutionnaire, ce que Debré a appelé le fauquisme, un centre à partir duquel rayonnent des colonnes, le Che voyait le Congo comme l'épicentre de la libération de l'Afrique, en raison de ses 9 frontières. Dans la carte de l'Afrique antique, l'une de ces cartes ne dévoile réellement quelle était la taille de l'Éthiopie. Il ne s'agissait aucunement de la Bissinie qui représente l'Éthiopie actuelle, mais il s'agissait de tous les pays, en commençant par le Soudan, descendant jusque pratiquement vers l'Afrique du Sud, de la partie hachurée en jaune. Puis vous avez le Soudan qui va jusqu'en Afrique de l'Ouest. Tout cela pour nous expliquer et pour nous faire comprendre l'importance qu'avait ce pays. En d'autres termes, l'Éthiopie antique était une véritable puissance. 2 Chroniques chapitre 14 à partir du verset 9. Il y a Zéra qui est le représentant de l'Éthiopie. La Bible décrit qu'il avait une armée de 1 million de personnes et plus de 300 chars. L'Éthiopie antique était réellement très puissante. Mais revenons sur la carte de la RDC, nous voyons la région des Grands Lacs où se trouvent notamment l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Katanga, d'où sortent toutes les richesses, frontaliers avec plusieurs pays, et c'est de cette région que proviendrait le premier homme qui est sorti. C'est pourquoi on baptise que l'Afrique est le berceau de l'humanité, compte tenu de toutes ces choses. Nous voyons différents types d'animaux dans cette région, des oiseaux, de faune et de fleurs, la savane, le volcan, les montagnes et plein de choses exceptionnelles. La matière première, le zinc, le cobalt, le niobium, le coltan, l'uranium, le mercure,
de la tourmaline, le cuivre, le malachite, l'or, de la cassiterite, de la wolframite, les diamants, pour ne citer que ceci. Toutes ces choses sont convoitées par des pays étrangers très puissants. La zone est en guerre et en conflit. Actuellement, beaucoup d'exodes et beaucoup de rébellions. Plusieurs morts. Même la MONUSCO, malgré sa garde, ne peut rien faire, malgré la sécurité des Nations Unies. La République congolaise peine à éradiquer ces choses. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible déclare ceci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Cette parole-là interpelle beaucoup. Regardez la situation du pays Congo démocratique actuel et voyez combien les massacres se font dans ce pays, combien de personnes sont en train de mourir. Vous apercevez que ce pays est un scandale géologique où il y a beaucoup de richesses à l'intérieur. Mais cette richesse n'est pas anodine. Souvenez-vous au début. Révélation du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 10. D'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un certain nombre de passages que vous retrouvez à l'intérieur de la Bible. Lorsque vous avez la compréhension divine de certaines choses, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il est dit telle ou telle chose? Et même, vous allez le retrouver sur Apocalypse chapitre 3 au verset 9, où Dieu vient préciser, en tapant un marteau très fort, en parlant du mensonge. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parole du Seigneur. Les Khazars sont un peuple turco-mongol d'Asie centrale qui migre au sud du Caucase vers le 5e siècle de notre ère. Ils étendent au 7e siècle leur influence au nord des montagnes, sur tout l'espace entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans le sud de la Russie dernier millénaire. Seulement les Khazars, au 8e siècle, contrairement à tous les autres, adoptent le judaïsme comme religion d'État. Vers 740, c'est le roi Khazar Boulan qui se convertit le premier au judaïsme. Boulan aurait, dit-on, convié les représentants des trois grands monothéismes à sa cour pour faire son choix et trancher en faveur de la plus ancienne et donc plus respectable des trois religions, le judaïsme. Mais les considérations politiques n'ont pas dû être totalement étrangères à sa décision. En adoptant le christianisme ou l'islam, le royaume khazar se serait immanquablement retrouvé inféodé à l'un de ses deux voisins, l'empereur de Byzance ou le calife de Damas. Ces deux souverains chrétiens et musulmans cherchaient à étendre leur domination dans la région habitée par les khazars, notamment en diffusant leur religion parmi la population. Le judaïsme fournit donc une opportunité remarquable, une troisième voie qui place à égalité les khazars avec ses deux rivaux. Les Khazardim, les Ashkenazim et les Sephardim sont les descendants de Japhet. Japhet qui est le fils aîné de Noé, qui est le père de tous ceux qui vivaient dans le secteur de la Mongolie. Alors qu'en réalité, la descendance d'Abraham lui vient de Sem. Les 12 tribus de Jacob sont nées par Sem. De plus, il y avait une proximité avec Cam, qui est le père de Put, Lud, Mitzrayim et Cana. Ces populations vivaient pratiquement dans la même région et ce n'est pas cette population qui occupe le territoire actuel d'Israël. Nous savons que dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, la parole de Dieu nous dit que le diable est le père du mensonge. Il y a des personnes qui ont l'habitude d'usurper, de prendre l'identité, de falsifier l'histoire, de changer les choses, raison pour laquelle cette notion de mensonge a été dite directement par le Seigneur. Nous devons savoir une chose, les choses qui sont écrites, les choses qui sont scripturaires ne le sont pas par hasard. C'est parce qu'il y a une raison véritable qui amène vers ces choses,
raison pour laquelle chacun d'entre nous doit se poser la question, qui sommes-nous réellement? Alors, dans les jours à venir, nous allons avoir des rubriques où nous allons parler sur la langue hébraïque et beaucoup de ressemblances avec plusieurs consonances qu'on retrouve sur les langues africaines, notamment le Kikongo et certaines langues qui entourent le peuple bantou. Nous devons nous poser des questions, c'est important. Nous ne pouvons pas dire que tout ce que nos frères disent soit faux, mais nous devons apprendre à observer les écritures, mais aussi certaines preuves qui sont placées au-devant de nous pour savoir qui sont ces Hébreux qui ont disparu. Alors, concernant les Hébreux, il y a beaucoup d'Hébreux, mais ici, je parlais principalement de ceux de l'Éthiopie. Il y a une partie avec l'Égypte dont nous vous citons sur le passage qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 29, verset 6. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Parole du Seigneur. Tous ces peuples constituent d'une population qui, à l'origine, est israélite et qui va se retrouver en Afrique suite à plusieurs déportations qui vont avoir lieu. C'est pourquoi j'aimerais interpeller la conscience de plusieurs frères et sœurs, de ceux qui disent que cette chose-là est impossible. Réfléchissez très bien et voyez d'où part l'histoire du monde. L'histoire du monde prend son départ dans ces régions, les régions qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire les régions des Grands Lacs, bien assimilées avec cette fameuse partie du Congo, qui est le scandale géologique où nous avons plusieurs problèmes à cause des richesses et des ressources minières qui s'y trouvent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, de partout dans le monde entier, nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à aborder ces questions. Une cinquantaine d'années avant la destruction du premier temple. Et parmi ces 10 tribus, il y avait la tribu de Dan. Une tribu très importante, très grande. Et cette tribu-là, disent nos maîtres, déjà depuis des millénaires, une grande partie d'entre eux sont arrivés à s'enfuir avant d'être pris de force par Sanhérib et d'être exilés dans d'autres pays. Une grande partie est arrivée à s'enfuir et a rejoint l'Afrique. Et donc, vous avez donc des centaines de milliers de Juifs qui se sont retrouvés en Afrique, qui sont surtout au Congo, au Gabon et en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal. Mais au départ, les Danites se sont enfuis du côté est de l'Afrique et ils sont arrivés en Éthiopie, d'où l'origine des Juifs éthiopiens, qui sont pour la plupart revenus en Israël ces 30-40 dernières années. Et puis après, ils ont traversé en largeur du côté ouest, est au côté ouest, et ils sont arrivés sur la côte ouest, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, etc. Et là-bas, ils se sont installés parce qu'il y avait constamment des guerres du côté est. Et donc, pour ne pas disparaître, ils sont passés du côté ouest. Et finalement, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Africains dans tous les pays sur la côte ouest qui sont d'origine juive. Cette histoire nous renvoie en effet il y a près de 3000 ans en arrière, en Israël, au temps du roi David. À cette époque, les Hébreux sont fédérés en 12 États. Un État par tribu descendant d'Israël. Mais à la fin du règne de Salomon, Jéroboam, fils de Nébat, provoque une révolte qui entraînerait une scission avec la royauté de David. 10 tribus sur les 12 le suivent et créent une nouvelle confédération, le royaume d'Israël, dont la capitale est désormais Samarie. Les tribus de Juda et Benjamin, restées fidèles à la royauté de David, deviennent le royaume de Juda, surnommé Judée, et dont la capitale est Jérusalem. Mais, comme le relate la Bible, les rois et habitants du royaume d'Israël finissent par délaisser le culte de l'Éternel pour se laisser entraîner à imiter les pratiques idolâtres des peuples cananéens qui les entourent. Et ce, malgré les avertissements des prophètes Isaïe, Élie ou Élisée. Au bout de 200 ans, la colère divine tombe et Sennachérib, roi d'Assyrie et son armée venue du nord, envahit le royaume d'Israël. Il sera stoppé aux portes de Jérusalem. Les 10 tribus d'Israël sont alors déportées vers le nord-est et d'autres peuplades sont installées par Sennachérib sur leur territoire. Qui vivent dans ces régions et qui sont sous cette prophétie que nous vous avons présentée
Sophonie chapitre 3, verset 10, que mes adorateurs, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, m'apporteront des offrandes. Et quand vous avez la sagesse, quand vous observez bien, vous vous rendez compte qu'il y a cet endroit que l'on a retrouvé à l'intérieur de la synagogue de Capernaum, cette fameuse carte de la RD Congo, qui est le pays qui a un véritable scandale géologique, comme nous venons de le dire, où il y a beaucoup de matières premières. J'aimerais poser la question, nous devons nous interroger, est-ce réellement un hasard si ce pays est tant convoité? Le problème de ce pays n'est pas simplement un problème qui est lié à la chair, mais tout simplement le problème de ce pays est lié à sa spiritualité de par la promesse que Dieu a faite selon cette vision qu'il avait donnée à son serviteur Sophonie. De plus, il va parler encore. Nous allons retrouver le livre d'Ésaïe chapitre 18 au premier verset. On dit « Pays où retentit le cliquetis des armes au-delà du fleuve de l'Éthiopie. » Et quand nous descendons, Ésaïe chapitre 18 toujours, au verset 2, à la partie B, qu'est-ce qu'il est dit? On dit que ce pays est coupé par des fleuves. Maintenant, dites-moi, toutes ces choses sont toujours anodines. Ici, nous n'allons pas entrer dans les détails en ce qui concerne la descendance de Jacob, parce que ça sera très long, mais nous voulons simplement préciser que lorsque Dieu fait des choses, il ne fait jamais des choses au hasard. Maintenant, parlons un peu de ce peuple, le peuple Congo dont il est question. Le Congo, les Congo aujourd'hui, vous pouvez les retrouver un peu partout dans le monde. Au-delà de la RD Congo, il y a Congo République, qui était d'ailleurs le même pays à l'époque. C'était tout un territoire et tout un royaume qu'on appelait le Royaume Congo, qui regroupait le Gabon, une partie de la République du Congo, la République démocratique du Congo et aussi l'Angola. Et la capitale se trouvait à Mbanza Congo. Mais au-delà de ça, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler ici? De dire que ce peuple qui va être expatrié pour des raisons diverses, nous connaissons déjà ce qui s'est passé par rapport à la traite négrière qui a fait en sorte qu'il y ait plein de fils Congo qui se retrouvent dans les îles selon ce qui est écrit dans la prophétie. Alors, bien-aimés, j'aimerais exhorter certains frères et sœurs à comprendre que ces messages qui sont lancés ne sont pas des messages qui viennent en vain. C'est parce que Dieu lui-même savait qu'à un moment donné, à un temps précis, il viendrait récupérer ses enfants, à retrouver la mémoire de ce qu'ils étaient auparavant. Plusieurs prophéties ont été données, notamment dans le livre de Deutéronome chapitre 68, et dans ce livre, vous allez retrouver plein de traces de ce qui devait arriver aux fils d'Israël et qu'on ne retrouve uniquement qu'à certains de ces peuples, dont le peuple Congo. Le Congo dont je suis en train de parler aujourd'hui ne se limite pas uniquement au niveau des deux pays Congo, mais on retrouve aussi en partie les Kong qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme vous avez entendu le rabbin parler tout à l'heure, c'est pour donner une précision de ces populations juives qui ont migré lorsqu'ils ont fui la guerre parce qu'ils étaient sous la domination à l'époque de Sargon II, ces Assyriens qui venaient pour les oppresser. Alors, ils sont descendus en Afrique, chose qui est logique, pour permettre à ce qu'ils puissent vivre, parce que au niveau de l'Afrique, il y avait déjà le fleuve Nil, on pouvait trouver du poisson, on pouvait trouver de la forêt, on pouvait trouver de quoi se nourrir, de quoi manger et de pouvoir vivre en toute sécurité. Alors, sur leur descente, il va y avoir plusieurs traces qui vont rester dans ces régions. Mais ici, c'est tout simplement pour nous rappeler que ces peuples-là, que ces Hébreux-là, qui viennent de ces endroits, sont toujours vivants aujourd'hui. Et la plupart de ces Hébreux ne se connaissent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont d'ascendance hébraïque. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous arrangeons à prendre différentes images pour les associer, pour faire comprendre aux enfants de Dieu que si vous vérifiez bien, parmi vous, il y a aussi des Israélites, et oui, les descendants de Jacob. Je ne pourrais pas préciser que tous les Africains sont des Israélites, mais je précise néanmoins qu'actuellement, il y a une grande partie de la population africaine qui sont réellement des Hébreux, donc qui ont cette identité juive qui est oubliée aujourd'hui. D'autre part, quand on parle des tribus, ces tribus-là représentaient un très grand nombre d'habitants. C'était plusieurs personnes. Ces tribus, c'était chiffré en millions d'habitants. Alors, si on doit parler de ces tribus, entre guillemets, qui étaient perdues,
En réalité, ils ne se sont pas perdus, ils se sont juste réfugiés et ils ont trouvé des endroits où ils ont logé. Raison pour laquelle, bien-aimés, avant de juger, prenez le temps d'observer. Il y a beaucoup de livres qui parlent généralement de ces migrations qui sont arrivées, notamment dans le livre d'Ésaïe chapitre 20, où les choses sont mises au clair pour faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y avait des raisons qui les ont poussés à se déplacer. Ne vous étonnez pas lorsqu'on parle des Juifs noirs, parce que les Juifs noirs ont toujours existé et l'histoire de l'humanité d'ailleurs commence par les Juifs noirs qui sont bel et bien associés aux Égyptiens et aux Éthiopiens ou du peuple Couche. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le jugement, prenons d'abord le temps d'observer les choses et posons-nous les vraies questions. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, le pays coupé par des fleuves, pays où retentit le cliquetis des arbres. Pour les bons lecteurs de la Bible, si vous prenez le livre d'Ésaïe chapitre 19, vous allez voir les sanctions qui étaient prévues sur ce peuple qui était dans la désobéissance. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons comprendre et observer ce que Dieu dit à ce sujet-là. À la rencontre des Juifs noirs. Quelqu'un rencontre un Juif noir ou une Juive noire. La réaction est toujours la même. C'est comme quand on parlait des Persans dans le Paris du XVIIIe siècle. Monsieur est juif, madame est juive, c'est impossible. Comment peut-on être juif et noir? Pourtant, les juifs noirs existent bel et bien et de longue date. Pensez à Tsipora, la femme couchite épousée par Moïse. Pensez plus près de nous au fameux Bêta Israël, connu sous le nom de Falacha. Pensez encore à ces communautés nombreuses de Juifs noirs aux États-Unis, au Canada et bien sûr en France. Pensez encore à ces communautés africaines, communautés tribales comme on dit, les Igbo au Nigeria, les Songhe en Afrique centrale et beaucoup d'autres au Zimbabwe en Afrique du Sud. Oui, ils existent, les Juifs noirs, les Juives noires. Allons donc à leur découverte. C'est la tombe de Séméka Kungulu, le fondateur de notre congrégation. Il était juif parce qu'il pratiquait comme les juifs le font. Ici repose un guerrier. Kakungulu a travaillé pour le colonisateur britannique, puis il ordonna à ses troupes et à tous les garçons de sa tribu de se circoncire. Il fonda au début du siècle dernier l'unique communauté juive d'Ouganda. La veille du Shabbat, jour de repos, les habitants de Namanyoni font le pain azim. Dans la synagogue, le rabbi prépare la cérémonie du Shabbat. Les Abayudaya suivent tous les rites du judaïsme, mais ils sont différents des Falasha, cette tribu éthiopienne rapatriée en Israël dans les années 80. La différence entre nos judaïsmes est que les Falasha pensent venir d'Israël. Ils pensent qu'ils sont originaires d'Israël. Les Abayudaya ne se reconnaissent pas comme les descendants directs de Jacob. Mais la vérité est que la prophétie de David disait ceci dans le livre de Psaume 115 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Les enfants fréquentent les mêmes écoles, mais les Juifs reçoivent des leçons particulières d'hébreu. Bama. Nous voulons qu'ils comprennent et soient capables de communiquer avec la population d'Israël. Deux juifs orthodoxes américains sont venus dans le village pour aider la communauté. Les Abayudaya veulent bénéficier de la loi du retour en Israël. Ils doivent se conformer au fait qu'Israël n'accepte que les conversions orthodoxes. C'est la règle s'ils veulent vraiment y aller. S'ils veulent bénéficier de la loi du retour, ils ont juste besoin d'une conversion complémentaire, en plus de celle qu'ils vont commencer dans un mois, et qui est une conversion réformée. Les Abayudaya sont pauvres et pensent qu'Israël est un Eldorado. Ils savent que les Falasha d'Éthiopie sont marginalisés dans l'État hébreu. Malgré tout, les Juifs d'Ouganda croient toujours à la terre promise. Eh oui! Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux d'avoir partagé de ce message ensemble. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là.
mais nous allons mettre un peu plus de précision pour la prochaine fois que nous allons nous retrouver, parce que nous allons mettre un accent sur ce fameux peuple Congo. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons parlé de cette fameuse synagogue qui se trouve à Capernaum, possédant la carte de la RD Congo, une synagogue qui existe depuis plus de 2000 ans. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle d'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, on parle des pays qui sont dans la région des Grands Lacs, nous savons qu'il y a un message qui est véhiculé, c'est pour ce peuple. C'était tout simplement pour nous rappeler que oui, effectivement, le Dieu véritable que nous prions n'a jamais oublié ses enfants et que le règne du Christ va s'accomplir avec ce fameux peuple. Aujourd'hui, nous tenons simplement à rappeler à chaque enfant de Dieu que connais-toi toi-même afin que la gloire de Dieu soit réellement manifestée. Nous pouvons prier à plusieurs reprises, mais si nous ne nous connaissons pas, nous ne pouvons pas accomplir réellement la volonté de Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles choses très importantes sur cette génération de révélation et de connaissance. Sur TBTV+. Je vous salue, à très bientôt. Bien-aimés, très chers frères et sœurs, aujourd'hui nous devons comprendre une chose. Du fait que nous ayons grandi depuis notre enfance avec les idées reçues dont les Juifs sont des personnes de couleur blanche, alors qu'en réalité, le Juif par sa nature à l'origine est une personne qui sort de l'Afrique. Ce qui veut dire tout simplement que cette population a pu migrer sur plusieurs territoires et a donné ce que nous connaissons aujourd'hui. Le plus important n'a rien à voir forcément avec la race, mais c'est plutôt la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.